Bonjour, c'est Zao et... Elodie. Et aujourd'hui, on est au quartier de... Jean-Pascal. Avec la petite scène qui... Bouh. Et on est avec notre illustratrice, Claire... Gabriel. Pour lire le livre « Un cœur de sardine » de Joël Cormier et donc de Claire Gabriel, publié chez Océan Jeunesse. Et avec tout ça, on a l'aide de notre réalisatrice... Alors, c'est parti! Un cœur de sardine. Un livre de Joël et Cormier, illustré par Claire Gaborio, publié chez Océan Jeunesse. Mon ami habite dans une petite bâton en fer. Son nom est écrit dessus. Il s'appelle Robert. Sardine Robert! Yeah, yeah, yeah! 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 Il devrait vivre dans la mer, c'est une sardine, mais il dit qu'il préfère l'étagère de ma cuisine. L'étagère de ma cuisine? L'étagère de ma cuisine! Ses compagnons de boîte ont fini à la casserole. Il ne faut pas rire, allons, ça n'a rien de drôle. Mourir noyé dans la mer rouge des tomates quand on déteste le poivre et les aromates. 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 Lorsque Robert s'ennuie, j'essaie de le distraire. Pour l'amuser, je joue à le pêcher dans la mer. D'un bout de ficelle et d'un brin d'allumette, je décolle en un tour de main une goélette. Une goélette? Une goélette avec un brin d'allumette. Une goélette avec un brin d'allumette. Les soirs où ma sardine se sent trop nostalgique du grand large de son vaste océan Atlantique. Je lui lis des histoires de haute mer et de courant. J'allume pour elle un ciel d'étoiles de mer argent. De mer argent. Un ciel d'étoiles de mer argent. De mer argent. Un ciel d'étoiles de mer argent. Si elle est fâchée, ma sardine s'enferme à clé. Dans sa boîte en fer, elle fait semblant de bouder. Je menace de la jeter, je supplie, crie et gesticule. Rien à faire, ma sardine est une vraie tête de mule. Une vraie tête de mule. Ma sardine est une vraie tête de mule. Une vraie tête de mule. Ma sardine, une vraie tête de mule. Les jours où elle trouve que la vie manque d'étincelles, ma sardine demande qu'on lui apporte un peu de sel. Elle frétille, fait des bonds et d'huile m'éclabousse. Alors d'un coup, la vie a le goût d'une amande douce. Une amande douce. Une amande douce. Parfois à mon tour, je me sens sardine toute place. Coincée dans ma chambre comme dans une boîte. Parfois à mon tour, je me sens sardine toute place. Coincée dans ma chambre comme dans une boîte. Je dis à Robert que l'école c'est vraiment la tuile. Pour lui, je nage dans le bonheur et lui dans l'huile. Robert ne pense qu'à lui. C'est une sardine difficile. Je fais tout pour lui plaire, mais il est susceptible. J'ai pensé le manger, le déguster avec un jus de citron. Mais c'est quasi certain, j'en ferai une indigestion. Un jour, bientôt, je ferai briller ses écailles fines. Et le cœur bien serré,
comme une petite sardine. Je remettrai doucement Robert dans l'océan en lui recommandant de nager droit devant. Et voilà, on a fini le stop motion réalisé au quartier de Jean-Roussard. On espère que vous avez passé un super moment avec nous. Et maintenant, check de la sardine. C'est vraiment pour lui, je nage dans le bonheur.
sardine difficile. Je fais tout pour lui plaire, mais il est susceptible. J'ai pensé le manger, le déguster avec un jus de citron. Mais c'est quasi certain, j'en ferai une indigestion. Un jour, bientôt, je ferai briller ses écailles fines et le cœur bien serré comme une petite sardine. Je remettrai doucement Robert dans l'océan en lui recommandant de nager droit devant.